Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission hebdomadaire Les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com. Nous sommes mardi 2 février 2021 et il est l'heure de faire un point complet sur les marchés. La dernière fois, nous avons fait une émission d'une heure. Apparemment, ce format vous a plu. Donc, je vais essayer d'être concis et d'aller droit à l'essentiel. Un avertissement sur les risques pour commencer. Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Donc, nous nous retrouvons pour les marchés en action, mais je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les matins le morning meeting d'Anthony Bondin sur le site de Zone Bourse et tous les jours, vous pouvez également retrouver Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Naujac. C'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Zone Bourse. Au sommaire de cette émission, un focus marché pour parler des derniers grands décalages. Puis nous passerons aux actualités économiques et nous finirons cette première partie d'émission par un top flop avec des graphiques pour expliquer ce qu'il se passe à travers la planète et sur les marchés. Puis nous passerons comme d'habitude dans un deuxième temps sur la plateforme Pro Real Time pour analyser vos actions préférées. On commence avec un focus marché. Donc, nous avons ces 10-15 derniers jours connu une consolidation des indices américains sous leur précédent record historique. Une pause s'est imposée alors que les entreprises publient. On a beaucoup de publications aux États-Unis. En Europe, ça va débuter. On va vraiment rentrer dans le dur à la fin de cette semaine, puis à partir de la semaine suivante avec la publication de toutes les grandes entreprises françaises. On notera que 37% des sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats trimestriels et ils ressortent globalement au-dessus de faibles attentes. Les données FactSet permettent de constater que le PER à 12 mois se situe à 21,8 fois les résultats attendus. Le marché est donc cher, même en intégrant la remontée des bénéfices programmés cette année. Néanmoins, les opérateurs veulent voir le verre à moitié plein, les résultats sont supérieurs aux attentes et c'est plutôt une bonne chose. La semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, a minimisé le lien entre la politique monétaire actuelle très accommodante et les prises de risques importantes observées sur les marchés. Vous avez très certainement entendu parler de l'affaire GameStop, où des particuliers se sont ligués contre un fonds d'investissement. On a des mouvements qui sont assez forts, assez erratiques sur certaines actions, sur certains actifs, comme le Bitcoin. On a vraiment des mouvements qui sont puissant, parfois violent ces derniers temps, et c'est peut-être dû justement à une ultra-liquidité sur ces marchés, mais néanmoins, le président de la Fed se veut rassurant. Le CAC 40 a consolidé donc pendant la quinzaine qui vient de s'écouler, entre 5700 et 5400 points. Il est revenu sur ce support clé en clôture la semaine dernière. On s'est fait des frayeurs, mais en ce début de semaine, le support tient, les acheteurs relancent et on connaît un beau rebond technique. On a des opérateurs donc qui sont confiants sur les résultats, mais également sur les vaccinations. Même si en Europe, on avance peu rapidement, notamment en France, en Israël, eh bien, la population est fortement vaccinée et on voit les chiffres de l'épidémie s'améliorer, ce qui donne du baume au cœur aux investisseurs pour la suite, en espérant qu'on arrive à vacciner rapidement en Europe. Aux États-Unis, apparemment, il y aurait déjà plus de vaccinés que de personnes qui ont fait de tests par le passé. Donc ça veut dire que là aussi, la vaccination va bon train. Et qui dit vaccination, dit que la crise s'éloigne. Et c'est ce qui fait que les opérateurs reprennent du risque et repassent à l'achat pour le moment sur les marchés. Le CAC 40 se retrouve donc au milieu de son range. C'est un range dans lequel on est depuis plus de 2 mois, hein, entre 5400 et 5700 points. On est en plein milieu à 5550 points, donc on ne peut pas dire qu'on a une forte visibilité. Simplement, par rapport à la semaine passée où on s'est fait des frayeurs, pour l'instant, on peut dire que le marché tient. De nombreux dossiers ont retrouvé des bases de soutien. On en parlait dans l'émission de mardi dernier. On avait vu que des titres, même des petits titres comme Navia qui était revenu vers 2,90, comme Gossin qui était revenu sur le support des 9 euros. On a vu pas mal d'actions comme ça qui étaient revenues sur des seuils.
La semaine dernière, je laissais entendre, donc mardi dernier, qu'on avait des risques baissiers, qu'on pouvait revenir tester ces seuils. C'est ce qui s'est passé. Le CAC 40 a baissé d'un étage supplémentaire et les valeurs citées sont revenues de nouveau tester les supports. Mais le CAC a tenu, les supports ont tenu et pour l'instant, donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le pétrole, l'uranium, les matières premières sont très recherchées, toujours sur le thème de la vive reprise économique attendue en 2021. On a un pétrole WTI qui est à 54-55 $. Il n'est plus qu'à 10% de mon objectif de l'année 2021. On a donc cette thématique de reprise économique espérée en 2021 qui continue de porter les marchés. Après GameStop, donc l'affaire GameStop, vous avez des vidéos sur la chaîne YouTube de Zone Bourse et vous avez des articles sur le site Zone Bourse. Si vous n'avez pas entendu parler de cette affaire, vous avez tout ce qu'il faut pour la comprendre. Après GameStop, donc sur laquelle des petits investisseurs, l'équipe des Wall Street Bets a voulu donner une leçon à un fonds vendeur, eh bien il y a eu des spéculations selon lesquelles ce groupe voulait s'occuper de l'argent. Alors c'est un peu spécial parce que quand on va sur le forum des Wall Street Bets, on constate qu'ils disent que ce n'est pas de leur fait. Simplement, il y a eu des spéculations autour du fait que les particuliers voudraient tenter un short squeeze sur le marché de l'argent. Alors qu'est-ce qu'un short squeeze? C'est quand on a des acteurs qui sont fortement vendeurs et on va donc acheter très fortement les cours pour les faire monter, pour forcer les vendeurs à se racheter et pour engendrer un short squeeze. Pour que cela ait pu avoir lieu, il aurait fallu casser la résistance des 30 $. Or, hier, les cours de l'argent ont foncé sur ce niveau technique clé, ce seuil psychologique, ils ont touché les 30 $ et ils sont retombés depuis. Donc, short squeeze avorté, pas de signal de moyen long terme. Simplement, on garde ça à l'esprit. C'est peut-être le début d'une nouvelle ère avec des particuliers qui ont un poids de plus en plus important sur les marchés. Ils ont du poids parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, parce qu'ils se sont ligués via des applications comme Reddit, et aussi parce qu'ils utilisent un effet de levier absolument énorme, ce que je vais vous montrer dans la partie top flop. Enfin, on notera que le Bitcoin se stabilise entre 30 et 40 000 $. Il a été soutenu par Elon Musk la semaine dernière et il est également soutenu par la baisse de l'euro-dollar et donc la hausse du dollar. Non, je dis des bêtises. On a l'euro-dollar qui est en train de casser un seuil, on a le dollar qui se raffermit et malgré cela, le Bitcoin continue de se stabiliser, voire de tenir. Donc ça montre à quel point justement il est fort, puisque même quand on a le dollar qui se reprend, il reste très soutenu. On va regarder ses principaux actifs. Donc voici le CAC 40, le CAC 40 qui a donc corrigé ces 3 dernières semaines, qui est passé de 5720 à 5380 points. Ça fait une belle respiration. C'était une consolidation puisqu'on s'est arrêté sur ce seuil. Sous ce seuil des 5400 points, on serait rentré dans un mode correctif, dans une correction, et on aurait pu acheter des actions plus bas, mais le marché ne souhaite pas aller plus bas. Les opérateurs voient le verre à moitié plein, les vaccinations rassurent, les publications rassurent, il n'y a pas de mauvaises statistiques majeures. Donc pour l'instant, on revient dans cette zone de prix que l'on travaille depuis plus de 2 mois désormais. Tant que le CAC 40 tient les 5400 points et qu'il est stable dans son range, eh bien, on peut faire ce que l'on appelle du stock picking ou du trend following et de tout simplement se focaliser sur des actions qui sont haussières et qui continuent de monter. Ces 15 derniers jours, malgré la baisse des indices, vous avez des actions qui ont continué de faire leur vie, qui ont continué de grimper et de faire de nouveaux plus hauts annuels ou de nouveaux plus hauts historiques, comme par exemple Corbion ou comme par exemple Esker. Ou des dossiers comme Sartorius qui retrouvent leur plus haut historique. C'est pour cette raison que dans la partie action, à chaque fois dans cette émission, je vous parle certes de valeurs du SRD, de valeurs internationales, mais j'essaye d'appuyer à chaque fois sur les valeurs trend following, c'est-à-dire des valeurs qui sont dans des tendances fortes et qui font fi en quelque sorte de l'indice. Je vous parlais également du dollar qui se raffermit, ce qu'on peut constater en regardant l'euro-dollar. Souvenez-vous, cette oblique, on en a parlé à maintes reprises, elle a bloqué les prix à 1,23 et en fait, ça fait un mois que l'euro-dollar baisse graduellement et que le dollar donc reprend un petit peu de poil de la bête.
On aurait pu croire qu'avec une hausse du dollar, eh bien, le pétrole n'arriverait pas à monter, mais la dynamique est très forte. Les espoirs de reprise sont très forts pour 2021. Donc, on a ce pétrole qui est toujours soutenu, qui est toujours dans une belle dynamique haussière. Ici aussi, c'est du trend following. Et on se rapproche des 60 dollars, l'objectif de prix que j'avais donné pour le pétrole en 2021. On peut regarder également les métaux. Donc l'argent, le voici. Donc les cours de l'argent ont commencé à démarrer leur hausse ce jeudi, vendredi dernier. Ce lundi, donc, on a eu de forts achats sur les ETF sur l'argent, me semble-t-il le deuxième plus fort volume historique à l'achat. Néanmoins, comme vous pouvez le constater, on a bloqué pile poil sous le seuil psychologique des 30 dollars, une belle résistance graphique. On vient de clôturer le gap qui avait été laissé ouvert hier. À court terme, je ne vois pas grand-chose à dire sur les cours de l'argent. Pour ma part, ce qui m'intéresse, c'est le trend de moyen-long terme qui, lui, est haussier. Et avec le mouvement de ces dernières séances, ça ne fait que confirmer ce trend haussier plutôt positif sur les métaux. Sur l'or, même chose, on est toujours dans un trend haussier long terme et moyen terme positif et à court terme, on se cherche totalement. La hausse des indices n'est pas bonne pour l'or, la hausse du dollar n'est pas bonne pour l'or non plus. Malgré tout, on peut constater que les cours se tiennent quand même relativement bien. Et puis pour finir, le Bitcoin que voici, qui monte aujourd'hui malgré un raffermissement du dollar. La semaine dernière, vendredi dernier, on avait Elon Musk qui a rajouté le sigle Bitcoin dans son compte Twitter, dans la description de son compte Twitter. Ça a fait monter le Bitcoin très fort jusque 38 000 dollars, puis il est retombé par la suite. Et il est en train de créer une sorte de base de formation ici. Il va peut-être devoir en fait consolider, latéraliser pendant quelques semaines après un mouvement absolument fantastique qu'il a fait entre 10 000 et 40 000 dollars en l'espace de quelques semaines. On revient à notre présentation. On a vu la plupart des news et la plupart des actifs hors action. Ça, c'est la heat map du CAC hier. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'à part Total, à part l'énergie, eh bien, c'est du vert partout et c'est encore du vert foncé aujourd'hui. Donc là, les marchés disent clairement, on a consolidé, on veut tenir. La baisse récente a engendré des opportunités et pour l'instant, il n'y a pas de mauvaise nouvelle qui permet de faire plier les indices plus que cela. En termes d'actualité économique, pas grand-chose en termes de statistiques majeures. On a eu les PMI manufacturiers qui sont ressortis supérieurs aux attentes en Europe et au Royaume-Uni. Enfin du mieux. Aux USA, le PIB américain du quatrième trimestre est ressorti en hausse de 4%, mais inférieur au consensus de 4,2%. Malgré tout, le chiffre d'affaires du troisième trimestre a été revu à la hausse à 33,4%. Cette semaine, c'est la suite des résultats d'entreprises aux États-Unis et puis le début des entreprises européennes. À partir de la semaine prochaine, on va avoir beaucoup de résultats d'entreprises européennes et on va pouvoir voir justement comment s'est terminée l'année. Cette semaine, en Europe, on notera les PMI des services mercredi matin ainsi que l'inflation en zone euro. Et puis vendredi, on aura la balance commerciale française, les commandes aux usines en Allemagne et les ventes au détail en Italie, qui sont toutes les trois des statistiques mineures. Aux USA, on notera les PMI des services demain, mercredi après-midi, et le NFP, vendredi à 14h30. NFP, cela veut dire Non-Farm Payroll. Ce sont les chiffres mensuels, du chômage américain, et cela peut engendrer bien évidemment pas mal de volatilité. On va passer au top flop. Alors parfois vous verrez, ce sont des top flop, parfois ce sont des top top. Tous ces graphiques-là permettent un petit peu de comprendre le cadre dans lequel nous sommes actuellement. À gauche, vous avez le nombre de contrats options qui sont tradés par les traders de Robinhood. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Robinhood, c'est une plateforme aux États-Unis qui permet de trader avec des frais de courtage limite gratuits.
Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Énormément de particuliers américains ont ouvert des petits comptes sur l'année écoulée chez Robinhood pour pouvoir trader facilement les actions. Il se trouve que ces traders utilisent très fortement les options, contrairement à d'autres traders chez les principaux brokers que sont Ameritrade, E-Trade et Charles Schwab. Et ce qu'il y a, c'est que quand on utilise des options, bah on utilise du levier. Donc ça veut dire que ça peut aller très vite dans un sens comme dans un autre. Donc tant que les marchés montent et tant que ces derniers sont à l'achat, ça va. Par contre, le moindre retournement de marché pourrait leur coûter très cher. En tous les cas, pour l'instant, ils soutiennent la tendance, puisque la semaine dernière, alors que les indices américains reculaient, eh bien, les traders de Robinhood sont passés complètement à l'achat. Vous voyez notamment ici à droite un graphique qui vous montre les records historiques sur les marchés options. Donc on parle de dizaines de milliards d'achats via des options, via des calls. Donc voilà, on a des particuliers là qui sont complètement all-in, qui sont full à l'achat. En Chine, on a des bons chiffres économiques et ça engendre aussi une belle reprise de l'indice chinois. L'indice chinois, le CSI 30, s'est repris très nettement dès le Covid. En fait, dès le mois de mars, eh bien, la crise a été terminée assez rapidement en Chine. Du coup, l'indice s'est envolé en 2021 et en ce début de l'année 2021, il retrouve des plus hauts de 13 ans. Donc voilà, on a des indices européens comme le DAX sur des plus hauts historiques, des indices chinois sur des plus hauts historiques, des indices américains sur des plus hauts historiques. Et parce que les acheteurs profitent, les vendeurs souffrent, notamment les vendeurs à découvert. Ici, vous avez les pertes infligées aux vendeurs à découvert sur des actions américaines qui étaient très vendues par des fonds vautours, notamment. Il y a beaucoup de fonds qui s'en étaient pris à Tesla en 2020 et des milliards ont été perdus par les fonds vendeurs. Et vous pouvez voir que GameStop a au moins coûté 1 milliard, mais ça, c'est un graphique qui n'est pas à jour. Je pense que GameStop a fait perdre des milliards à ceux qui s'étaient mis en face à la vente. À gauche, ici, vous voyez un graphique des anticipations d'inflation. Les anticipations d'inflation sont en train de remonter très fortement parce qu'on attend une vive reprise économique en 2021. On a une forte hausse des matières premières, des métaux précieux, du prix des conteneurs pour le transport des marchandises à travers le monde. Et donc, tout cela diffuse de l'inflation dans l'économie. Alors attention, il y a les anticipations de reprise de l'inflation qui sont très fortes. Est-ce que l'inflation va elle-même suivre? Par effet de base, en fait, parce que le pétrole a gagné pratiquement 50% ces derniers mois, eh bien, les chiffres d'inflation vont augmenter. Mais après, il faudra voir si c'est de l'inflation ponctuelle ou bien une véritable inflation pérenne. De l'inflation pérenne, nous n'en avons pas eu depuis 20 ans en Europe. On notera que ces perspectives d'inflation augmentent parce que les prix des métaux, des matières premières s'envolent. Ici à droite, vous avez un graphique qui montre que les gérants de fonds n'ont pas été autant à l'achat sur les matières premières depuis 10 ans. Sur un panier d'une vingtaine de matières premières, on peut voir l'uranium, le pétrole, les métaux, les matières premières agricoles, le soja. Toutes ces matières premières sont dans des tendances haussières extrêmement fortes ces derniers mois. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on s'attend à une année reprise. Je vous en ai parlé dans d'autres émissions, je vous en reparle dans celle-ci. Ici, vous voyez un graphique de la projection de la croissance attendue par le FMI. Le FMI, en fait, s'attend à une croissance record, pratiquement la croissance la plus forte des 40 dernières années, plus fort qu'avant la crise de 2008. C'est un effet rebond. On a eu une forte baisse du PIB en 2020 et on a une reprise très forte attendue en 2021 et également possiblement en 2022. C'est ce qui explique justement que les marchés soient aussi soutenus et que les vendeurs ne prennent pas la main. On attend vraiment, voilà, cette fameuse reprise, la fin du Covid et de nouveau un ciel bleu. Simplement, ça engendre une déconnexion en quelque sorte, ces espoirs de reprise, parce que c'est comme si on avait déjà pricé complètement les 2 années à venir.
2 années de reprise des résultats, de reprise économique, de forte croissance économique. En fait, les indices actuellement sont tellement hauts qu'ils pricent déjà toutes les bonnes nouvelles. Alors, ce qui peut expliquer que les indices soient aussi hauts, c'est aussi bien évidemment le soutien des banques centrales qui ont injecté des milliers de milliards ces derniers mois et qui continuent quotidiennement d'injecter des milliards dans les marchés. Donc, vous pouvez voir ici sur ce graphique le PER en pointillé du S&P 500. Un PER de 10, c'est un PER sous-évalué. Un PER de 15, on va dire que c'est un PER moyen. Un PER de 20, c'est un PER un petit peu élevé. Si le S&P devait être à ce niveau-là, il devrait être 30% plus bas. Or, il est complètement dans la stratosphère. Parce que l'espoir est que les résultats d'entreprise remontent et que le PER baisse naturellement et donc qu'on soit moins surévalué dans les mois à venir. En tous les cas, on a ici une distorsion majeure, mais ce n'est pas nouveau, entre l'économie réelle et les marchés financiers. Et puis, toujours dans ce cadre de l'espoir d'une reprise économique, d'un redémarrage en 2021 et 2022, la Fed s'attend désormais à 3 hausses de taux en 2023, 2024 et 2025. Vous savez, quand on a une crise économique tous les 8 à 10 ans, eh bien, les banques centrales ont tendance à baisser leurs taux d'intérêt, à les ramener le plus bas possible. Désormais, les taux sont pratiquement proches de zéro, voire négatifs, donc il est difficile de les faire aller plus bas. Et dans l'espoir justement qu'en 2021-22, eh bien, l'économie mondiale reparte fortement, la Fed se dit que d'ici 2-3 ans, elle va pouvoir de nouveau remonter les taux d'intérêt. Enfin, dernier graphique, ici à droite, ce sont les chiffres du trafic à Pékin. Certains ce week-end laissaient entendre que le trafic en Chine et notamment à Pékin ralentit très fortement. Mais il est probable, parce qu'on approche du nouvel an chinois et que les autorités ont demandé à la population de faire attention, que la population justement sorte moins, voyage moins, bouge moins. On va avoir les vacances chinoises, on va avoir le nouvel an chinois. Et donc, alors que certains laissent entendre que la Chine ralentit très fortement, il se pourrait que ce soit tout simplement en rapport avec la saisonnalité. Voilà pour cette première partie d'émission. Nous allons passer à la partie analyse graphique sur le logiciel ProRealTime. Nous allons regarder la liste des actions que je vous ai concoctées aujourd'hui avec des actions du CAC et du SRD, des actions internationales et comme d'habitude du trend following. C'est l'heure de la petite pause café. Je vous remets un petit peu de musique et on redémarre dans quelques instants. Allez, c'est parti pour de l'analyse graphique. On retourne sur le logiciel ProRealTime. Alors, pour ceux qui n'ont pas le logiciel ProRealTime, sachez que vous avez les graphiques en temps réel, des indices et de très nombreuses actions, des milliers d'actions à travers le monde, en temps réel sur le site de Zone Bourse. C'est gratuit d'aller voir les fiches valeurs, c'est gratuit d'aller voir les graphiques. Simplement, une fois que vous regardez un certain nombre de pages sur le site tous les jours, on vous demande d'être membre. Et si vous regardez vraiment beaucoup de pages sur le site, alors on vous propose de devenir client.
On va commencer donc par Beneteau. Beneteau, je l'ai rangé dans la catégorie SRD, mais on aurait aussi pu la ranger dans la catégorie Trend Following. Donc on a un titre ici qui était fortement baissier jusque la crise du Covid, et on peut voir qu'après le Covid, on est dans un renouveau. Un renouveau est dans une tendance haussière qui est extrêmement forte, et vous pouvez constater une chose, c'est que jamais Beneteau n'a clôturé sous sa moyenne mobile à 20 séances depuis très longtemps en fait, depuis le 29 septembre 2020. Donc ça fait maintenant 4 mois qu'on est dans une tendance haussière manifeste, extrêmement puissante, qu'on peut simplement matérialiser par une moyenne mobile ou par une oblique qui passe par tous les plus bas. Donc là ici c'est du trend following, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une cassure de plus haut, on peut rentrer sur le marché avec un stop relativement large. Et des signaux, en fait, vous en avez de très nombreux. Ici, vous avez une cassure, ici, vous avez une cassure, ici, vous avez une nouvelle cassure, ici, vous avez une nouvelle cassure. Et donc, à chaque fois qu'on casse les nouveaux plus hauts, c'est une porte d'entrée, en quelque sorte, pour ceux qui souhaitent prendre le train en route, pour ceux qui sont déjà dedans, tout simplement. Nous avons constaté que depuis 4 mois, il n'y a pas eu une seule clôture sous la moyenne mobile à 20 jours. Donc, on regarde où se sont faites les dernières mèches, les dernières séances. On peut constater que les dernières mèches se sont faites dans la zone des 10,30 €. Juste en dessous, on a le seuil psychologique des 10 euros. Donc on peut partir du principe que le titre est haussier à court, moyen terme, tant qu'il est au-dessus des 10 euros. Et pour ceux qui sont dedans, donc, on aura tendance à garder des stops relativement larges pour se donner une marge de manœuvre et laisser au titre la possibilité de faire sa vie. Métropole TV, c'est M6. Et il se trouve que M6 pourrait être à vendre. Du coup, on a eu des volumes historiques échangés vendredi dernier et ce lundi. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer sur ce dossier. J'ai rédigé une analyse sur le site de Zone Bourse avec une entrée ici en cas de mèche basse sur les 13,80 €. Malheureusement, on s'est arrêté à 14 euros et on n'y est pas retourné. Peut-être qu'on y retournera, je ne sais pas. En tous les cas, il y a une probabilité assez forte pour qu'il se passe quelque chose sur le titre Métropole TV dans les semaines ou les mois à venir. Donc là, c'est une spéculation sur une opération. À vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Novacyt, la valeur avec laquelle je dois prendre des pincettes maximum lorsque j'en parle. Donc Novacyt a publié ses résultats. Les résultats étaient très élevés, comme attendu, mais un petit peu inférieurs à des attentes qui étaient elles aussi très élevées. On rappelle que Novacyt a du cash et que la société va devoir prendre des décisions. Comment elle va investir ce cash? Comment est-ce qu'elle va se transformer pour passer d'une petite entreprise peut-être à un nouveau géant? Donc ce sera le challenge des prochains mois, des prochains trimestres pour cette société. Ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a une sorte de nettoyage de marché. On avait un niveau à 10,40, il a cassé. On avait le seuil psychologique des 10 euros, il a cassé. On est même allé nettoyer sous la petite oblique bleue que vous voyez ici sur mon graphique et on est revenu taper les 8,80 €. Les 8,80 € étaient en fait le point de départ de la hausse. Lorsqu'on regarde ce qui se passait ici au mois de décembre, on a pris appui sur ce seuil à multiples reprises avant de partir à la hausse. Donc en fait, on vient de retracer 100% de la dernière impulsion haussière et on est revenu sur un support majeur. La dynamique haussière de long terme est toujours là, la dynamique haussière de moyen terme est toujours là, simplement à court terme c'est plus neutre, bien évidemment. Et tant qu'on est au-dessus de la zone des 8,80 €, 9,50 €, on peut dire que le titre est soutenu et qu'il y a eu plus de peur que de mal. Voilà. Donc après, à vous de voir si c'est un dossier qui vous intéresse, quel est votre prix de revient, etc. Pour moi, voilà, tant qu'on est au-dessus des 8,80 € à moyen terme, il n'y a pas mort d'homme. Pour ceux qui aiment encore une fois le trend following sur des gros dossiers et qui parfois voudraient tout simplement être corrélé à ce qui se passe sur les marchés dans leur ensemble, vous avez un titre comme par exemple Rothschild. Rothschild, tant que les marchés montaient, ça allait bien. L'année 2019 et avec le krach début 2020, ça a été un peu plus compliqué. Mais vous voyez que là, on a un beau trend haussier sur ce dossier.
Donc ici aussi, étape par étape, on est dans une dynamique haussière tant que les plus bas sont de plus en plus hauts. C'est le concept, hein, d'une dynamique haussière. Et donc voilà, les acheteurs, à chaque fois que l'on casse les plus hauts, peuvent remonter leur stop sous le point bas précédent, et ainsi de suite. À chaque fois qu'on fait des nouveaux records, ça permet de remonter les stops sous le creux précédent, et ainsi de se laisser porter le plus longtemps possible, mais également de clôturer la position si on vient un moment à se retourner violemment et à casser la dynamique haussière en place. Autre titre controversé, dis donc, j'ai décidé d'avoir des problèmes moi aujourd'hui. Solution 30. Alors il faut que je fasse attention aux mots que je choisis. Solution 30, c'est un dossier épineux. Comme vous avez peut-être pu le constater si vous êtes lecteur ou client chez Zone Bourse, la société est notée 5 sur 5 en termes d'investissement. Parce que si on fait fi des rumeurs qu'a lancé Muddy Waters, Muddy Waters qui est un fonds vautour, qui est un fonds qui profite de la baisse. D'ailleurs, je comprends que les gens soient énervés contre Muddy Waters, parce que Muddy Waters rentre à la vente sur Solution 30, et ensuite il suffit qu'il publie un article pour dire « on est vendeur » pour qu'elle perde 20%. Du coup, quand ils font ça, ils s'assurent de pouvoir faire des gains. Donc je trouve ça un peu dégoûtant. Et c'est pour ça notamment qu'à Wall Street, on a vu des particuliers et l'équipe Wall Street Bets s'insurger contre les vendeurs vautours sur GameStop. Et c'est pour ça qu'on a eu un phénomène haussier sur GameStop aussi énorme. La question n'est pas de savoir si cette entreprise est une bonne entreprise ou pas. C'est pas la question. Parce qu'il y en a qui me disent « je pense que Muddy a raison » ou « je pense que Muddy n'a pas raison, c'est pour ça que je suis à l'achat ». Enfin, c'est pas que vous ne comprenez pas, mais mon point de vue là-dessus, c'est que quand je ne sais pas, je ne fais pas. Quand il y a de l'incertitude sur un dossier, il suffit qu'il y ait une mauvaise annonce qui sorte, il suffit qu'il y ait un article de Muddy Waters qui sorte pour que la valeur se prenne moins 20. Et la probabilité qu'un moins 20, moins 30 ou moins 40 arrive sur ce dossier-là est 100 fois plus élevé que sur n'importe quelle autre action. Des gens me disaient, oui, mais tu sais, sur Total ou sur Vinci ou sur Valneva, s'il y a une mauvaise annonce, on peut avoir un gap baissier et ça peut baisser fortement. Certes, certes, et ce serait une surprise. Mais sur Solution 30, ce ne serait pas une surprise. Nous avons déjà eu des attaques de fonds vautours, nous avons déjà eu des articles de Muddy Waters qui ont fait chuter les cours. Donc nous avons une propension, une probabilité, un risque bien plus fort sur une valeur comme Solution 30 que sur une autre. C'est pour ça que je vous ai prévenu à maintes reprises quand elle est revenue sous les 14 euros que ça restait un dossier à risque. Elle a chuté derrière à 10 euros et je sais que beaucoup de personnes en souffrent. Je ne suis pas là pour vous dire s'il faut garder, s'il faut couper, etc. Mais au moins peut-être pour la prochaine fois, retenez que quand on est sur un dossier épineux, bah on n'y va pas. La règle numéro 1 de Warren Buffett, c'est ne pas perdre. Et c'est donc ne pas se mettre en risque. Or, en allant sur Solution 30, vous vous mettez en situation de risque. À court terme, elle bloque sous les 11,60. Si et seulement si on revenait à casser les 11,60 dans les séances à venir, ça redonnerait du baume au cœur aux investisseurs, ça rendrait la configuration un peu moins baissière qu'actuellement. Mais voilà, sinon je pense que vous avez compris le message. Dans ce type de cas, je préfère tout simplement rester à l'écart. Total, pas grand-chose à dire. Elle est stable. Elle tient son support ici des 34,50, support qu'elle a testé à plusieurs reprises. Alors Total, vous vous rappelez, hein, c'est le jeu de la patience pour ceux qui veulent jouer, bien évidemment. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le jeu de la patience, ça veut dire d'attendre des points d'achat optimum. Lorsque Total était montré très fortement au mois de juin dernier, puis qu'elle avait échoué à deux reprises sous les 38 euros et qu'elle commençait à redescendre, j'avais laissé entendre que pour moi, sous 30 euros, c'était un super prix d'achat. Et donc, j'ai instauré le jeu de la patience en juin dernier en disant j'attendrai 3 mois, 6 mois, 9 mois s'il le faut, mais j'attendrai Total sous 30 euros. Elle aura mis le temps,
Elle aura mis 4 ou 5 mois avant de passer sous 30 euros, puis d'accélérer à 25 euros et enfin de faire des chandeliers de retournement avec des volumes historiques. Et ça nous a permis, enfin ça a permis à beaucoup d'entre vous de faire de magnifiques gains sur ce dossier. Ensuite, quand elle est revenue à 37-38 euros, de nouveau, j'ai dit voilà, on est passé du support à la résistance, donc il convient pour certains d'alléger, pour d'autres de couper, pour les derniers qui font du long terme, peut-être de ne pas bouger. Simplement pour ceux qui font du moyen terme, dynamique qui était sortie à 38 euros, ce que j'expliquais, c'est que j'aimerais bien revenir vers 32, voire 30 euros. J'ai donc sur mon graphique zone 1 à 32 et zone 2 à 30 euros. Évidemment que si Total tient les 34,50, que le pétrole continue de monter, que les indices sont toujours solides, Total pourrait remonter à l'intérieur de son range. Mais ici, c'est pas un trading de range que j'essaye de mettre en exergue, c'est un exercice de patience. Si Total rebondit ici et repart, elle repart sans moi. Et alors? Ce qui m'intéresse moi sur certains dossiers, c'est d'avoir des entrées parfaites. Et je considère qu'avoir du Total à 32 ou à 30 euros, c'est une entrée optimum, c'est une très bonne entrée. Je considère que c'est plus intéressant que d'acheter maintenant le bas de range. Et je préfère risquer de rater un trade plutôt que de ne pas avoir le prix que j'espérais. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlerai de Blockchain Group, une valeur qui était autour de 2,20 € sur laquelle j'avais dit attendre 1,60, 1,70. J'ai attendu pendant un mois, j'ai eu ma zone d'achat. Si je n'avais pas eu ma zone d'achat, c'est pas grave. Et si j'ai ma zone d'achat, j'en profite. Point à la ligne. Des opportunités, vous savez, il y en a tous les jours, toutes les semaines, que le CAC monte ou que le CAC baisse. Donc parfois, il faut tout simplement se donner du temps. Ensuite, Valneva, j'aurais aussi pu la mettre dans la catégorie trend following. De toute façon, mon but, c'est de vous montrer un maximum d'actions qui sont haussières, qui sont dans des belles tendances, qui sont des dossiers recherchés par les marchés, parce que c'est là-dessus qu'il faut aller, c'est sur des actions haussières et recherchées. Alors Valneva, c'est intéressant parce qu'en plus, c'est une stratégie GLB. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la stratégie GLB, c'est la stratégie de la Green Line Breakout. Vous tapez Green Line Breakout sur Google et vous arriverez sur cet article, qui est un article qui explique le concept de Green Line Breakout. La Green Line Breakout, c'est lorsqu'un titre qui a été coté en bourse pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs années, va fluctuer jusqu'à un moment casser son plus haut historique qui correspond à sa zone de cours d'introduction. Et souvent, c'est le début d'une belle aventure, et vous avez dans cet article un bon nombre d'exemples. Alors sur Valneva, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, il y a eu introduction, il y a eu baisse des prix, il y a eu stabilisation pendant 10 ans, et ce n'est que depuis avril 2020 qu'on a un retour des volumes et des acheteurs. Et vous pouvez voir ici qu'à 8,90 €, on a cassé le plus haut historique qui correspondait aussi au plus haut des cours que j'ai ici au départ de mon graphique. Donc en cassant cette zone de prix, Valneva donnait un nouveau signal haussier relativement fort, comme quoi elle voulait aller plus haut. Cette résistance, vous l'aurez noté, elle était à 8,80 €. Or, si vous regardez la petite mèche ici du 20 janvier dernier, elle s'est faite à 8,60 €. Donc en fait, c'est comme si on avait fait un pullback sur le niveau historique cassé avant de redémarrer dans le sens de la tendance. Et vous pouvez voir que, au final, les zones sont relativement propres. Ici, on avait cassé les 7 euros, on était monté de 7 à 9 euros très rapidement, puis on est revenu sur le support, dont on avait d'ailleurs parlé ensemble, puis de nouveau accélération haussière, retour sur le support, on travaille le support, puis de nouveau accélération haussière, et ainsi de suite. Alors, au cours actuel, bien évidemment, je ne suis pas forcément acheteur. Lorsque le titre prend comme ça 30 ou 40% relativement rapidement, il est difficile de prendre le train en route. Donc pour ceux qui sont encore dedans, c'est un moyen de profiter de la hausse et puis peut-être de remonter les stops de protection pour pouvoir valider un gain si le titre retombe. Mais je sais que certains d'entre vous, beaucoup sont à long terme sur ce dossier, et à mon avis, pour ceux qui sont à long terme, qui ont des bons prix d'entrée à 4, 5, 6, 7, avoir des stops sous les 8,50 €, voire avoir des stops sous les 7 euros pour pouvoir laisser faire sa vie au titre à long terme,
n'est pas inconcevable. Et puis on finira cette première partie d'analyse avec Worldline. Worldline, on en avait parlé il y a une ou deux semaines, peut-être 3 semaines, et je vous avais dit Worldline pourrait revenir sur les 70 euros. Elle a fait 69 euros au plus bas, donc peut-être que certains d'entre vous sont rentrés à l'achat sur cette zone de prix. Pourquoi cette zone de prix? Parce que j'ai un canal haussier sur Worldline et les 68-70 euros, bah, c'est la borne basse de ce canal et c'est aussi une zone horizontale d'importance. Vous allez me dire, oui, mais si on n'a pas acheté les 69-70 euros, comment on fait? Eh bien, on espère tout simplement que les prix vont revenir tester la zone avant éventuellement de redémarrer à la hausse, patiemment. On va maintenant passer aux titres internationaux avec le spécialiste du vélo, Axel Group. Axel Group, on l'a dans le portefeuille Zone Bourse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, sur Zone Bourse, on a trois portefeuilles. On a trois portefeuilles qui sont dans nos services. Et permettez-moi juste une petite recherche. Hop. Axel Group, on l'a acheté à quel prix? On l'a acheté à 25,75. Donc on l'a acheté dans cette zone-là. Et depuis, elle gagne 16%. Donc Axel Group, c'est un graphique assez erratique quand on regarde sur le long terme. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est qu'après le Covid, le titre s'est très rapidement repris. On est venu tester une fois, deux fois la proximité de la MM200. Puis on est rentré dans une dynamique haussière, le tout soutenu par des volumes. Les volumes toujours très importants, c'est eux qui vous disent s'il se passe vraiment quelque chose sur le titre. On peut voir que Axel Group est en train de casser ici les plus hauts de l'année passée. Et le prochain objectif haussier théorique, ce sont les plus hauts historiques de 2017 à 32 euros. Je vérifie que c'est bien le plus haut historique, c'est bien cela. Donc à 32 euros, soit 6% de plus que les cours actuels. Et c'est typiquement le genre de titre qui, sur repli, pourrait être intéressant à mettre en portefeuille. Activision aux États-Unis, titre extrêmement solide. Donc vous voyez ici, c'est toujours très important de prendre votre graphique sur 2-3 ans. Vous voyez, un simple dézoom permet de voir qu'on est dans une dynamique haussière extrêmement forte. Que fin 2018, Activision a eu un coup de mou, puis qu'on s'est repris nettement ensuite en 2019. Le Covid ici, vous voyez que c'est un détail. Alors je rappelle aussi qu'Activision, c'est tout ce qui est secteur jeux vidéo, hein, donc ça profite du Covid, ça profite du méga-trend de la jeunesse, des jeux vidéo, des jeux en ligne. Donc voilà, c'est un dossier qui à long terme est très recherché. À court terme, on a touché un support ici à 88 $. Et à moyen terme, on voit que la belle grosse zone de soutien se situe ici à 83 $, proche de MM200. Alors si vous êtes acheteur, vous espérez qu'on ne passe pas sous les 88 $ et vous avez votre stop dessous. Si vous n'êtes pas encore à l'achat, vous espérez que en fait le titre revienne en direction de sa MM200. MM200 qui est haussière. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Et donc, parfois, vous allez tenter de prendre une position sur le support avec un stop court. Parfois, vous allez attendre un repli plus significatif. Il est vrai que parfois, on attend des replis qui ne viendront jamais. Parfois, ils viendront. Après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes pressé? Est-ce que vous pensez que ça va monter fort? Est-ce que vous pensez que les indices américains vont casser leur plus haut historique rapidement? Ou est-ce que vous pensez qu'on va connaître une période de latéralisation, auquel cas, vous vous donnez une chance de pouvoir en avoir un petit peu plus bas? Ensuite, j'ai pris quelques actions un peu particulières qu'on m'avait demandé. Ici, Gazlog. Donc, Gazlog qui était fortement baissière ces dernières années et qui a enfin réussi à se stabiliser en 2020. Et donc, on peut voir ici que les volumes ont été de retour sur les points bas. Il y a eu la naissance d'un trend haussier. Alors c'est un trend baissier de très long terme et on a eu une hausse de court terme, mais vous voyez quand on fait une hausse de court terme, on peut très vite être contré par des résistances historiques.
Et on voit qu'ici, début janvier 2020, on avait travaillé la zone des 6,50 $ et que cette zone a bloqué. Point positif, par contre, après avoir retracé très fortement à la baisse, on peut voir qu'on a pris appui sur la zone clé. Pourquoi zone clé? Eh bien, parce que ici, vous avez un point haut à 3,70, ici, on l'a cassé, on a fait le pullback et on a redémarré. Donc, on voit bien qu'ici, la zone des 3,70 fait pivot. Ce qui est intéressant, c'est que malgré la chute récente, on s'est arrêté pile poil sur le pivot et on rebondit. Donc, pour la personne qui m'a demandé de regarder ce titre, s'il en a toujours, en théorie, vos stops sont placés sous la zone de soutien. Autre titre un peu spécial, Lexin Fintech. Donc ici, une valeur qui est globalement baissière sur les 2 dernières années, mais une valeur sur laquelle on peut constater qu'il y a eu des volumes historiques il y a une semaine, avec une mèche basse sous la MM200. Et ce qu'on peut constater, c'est que suite à cette mèche basse, il y a eu d'autres mèches basses, mais il y a encore des volumes et on est en train de tenter de passer MM200. Donc peut-être qu'ici, c'est le début de quelque chose, une tentative de retournement de moyen terme. On peut voir qu'il se dessine également une sorte de double creux sur le graphique. Et donc, pour pouvoir confirmer ces bonnes dispositions, il va falloir 1. S'extraire au-dessus de la MM200 pour de bon. Et 2. Par la suite, casser la zone des 8,80 qui permettrait de valider un double creux et qui permettrait de viser beaucoup plus haut. Si on retourne rapidement sous MM200, c'est l'inverse, c'est que les prédispositions haussières ne sont pas encore validées. Marathon Patent. Marathon Patent, c'est des spécialistes Bitcoin, crypto-monnaie, très corrélés. Alors on ne peut pas dire très corrélés au Bitcoin parce que si vous mettez un graphique du Bitcoin à côté de celui-ci, il ne se ressemble pas vraiment. Mais je dirais que c'est un titre qui est une sorte de produit à effet de levier sur le Bitcoin. Parce que quand on a une accélération du Bitcoin, eh bien le titre Marathon Patent, lui, a tendance à exploser. Vous pouvez voir les accélérations. Ici, on passe de 4 à 13, ici de 10 à 28, donc ça ne rigole pas. Simplement pour les personnes qui n'ont pas de plateforme Bitcoin, eh bien, ces derniers cherchent des actions qui peuvent avoir une corrélation plus ou moins importante avec les crypto-monnaies ou le Bitcoin lui-même. Et ce qu'on peut constater, eh bien, c'est que de la même façon que le Bitcoin a fait un point haut ici en janvier, puis qu'il est retombé à la baisse sur les 30 000 $, Marathon Patent a fait la même chose. On peut aussi estimer que le point haut ici, des 24 $, c'est le point haut qui correspond à la mèche haute engendrée par Elon Musk. Regardez ici, le 29 janvier, on a fait une longue mèche haute sur le Bitcoin, puis il est retombé ensuite. Et sur Mara, le 29 janvier, alors que le Bitcoin était en train de faire son accélération haussière, le titre a ouvert vachement haut, mais il est retombé par la suite. Donc tant que le Bitcoin est entre 30 et 40 000 $, Mara pourrait continuer d'évoluer entre 17 et 22 $. Si le Bitcoin passe les 40 000 $, il faudra surveiller une cassure de Mara au-dessus de sa résistance et ainsi de suite. Si le Bitcoin casse ses plus hauts historiques à 40 000 $, Mara pourrait casser ses plus hauts historiques à 28,50 $ et continuer sa course. Je vous fais pas l'inverse, si le Bitcoin retombe à 30 000 ou en dessous, bien évidemment, ce titre corrigera. Ensuite, une petite fusée. Virgin, voilà. Virgin Galactics, c'est un de mes dossiers préférés de 2021. Je pense que s'il y a une valeur sur laquelle j'ai publié des graphiques aussi avec des petites étoiles, bah c'est elle. Ça fait 3 mois que je vous bassine un petit peu avec ce dossier. Pas grand-chose à dire si ce n'est qu'on se laisse porter. La tendance haussière est extrêmement forte. On a cassé les plus hauts historiques qui étaient à 42 $. On a fait une mèche haute, on est revenu tester la zone, puis on est reparti à la hausse. Donc on a eu en quelque sorte une accélération, un pullback et un redémarrage. C'est relativement propre. Et la prochaine accélération, elle pourrait avoir lieu au-dessus des 60 $. Peut-être qu'on va devoir attendre le premier vol. Il y a un vol d'essai, il y a une fenêtre de tir qui s'ouvre à partir du 13 février prochain. Pour
un nouvel essai pour aller dans la stratosphère. Donc voilà, si l'essai est réussi, elle pourrait s'envoler au-dessus de ses plus hauts historiques en direction des 70, 80 et pourquoi pas à moyen long terme des 100 $. Si bien évidemment le vol est un échec, elle pourrait retomber. Souvenons-nous de la dernière fois où elle était retombée de 33 à 23, donc elle avait perdu 30%. Donc voilà, si vous gardez du Virgin en portefeuille, vous êtes conscient du risque de retomber des cours. Et pour la plupart d'entre vous, je pense que ce serait renoncer à des gains puisque vous êtes très nombreux à être rentrés à 20, à 25, à 30, à 35 et même sur cassure des plus hauts historiques. Donc c'est à vous de voir. Voilà, c'est à vous de voir. Je peux comprendre qu'on allège 10, 20, 30% de sa position. Parce que ça fait du bien au cerveau et que ça permet de souffler et puis de faire du bien au portefeuille. Mais sinon, je reste positif sur le dossier. De toute façon, je n'ai pas de raison de penser que le vol va mal se passer. Donc je reste positif dessus. Si le vol se passe mal et qu'elle retombe, eh bien, vous perdrez une partie de vos gains. C'est le jeu. Mais si le vol se passe bien, eh bien, elle pourrait exploser. Ce qui est assez sympa, c'est que vous avez déjà de l'avance. Beaucoup d'entre vous sont en hausse de 100%, en gain de 100%. Donc même si elle venait à reculer, eh bien ce serait un moindre gain et non plus une perte. Ensuite, un titre Vision Marine Technologies, Vemar. Alors ça c'est un titre qui m'a été soufflé par un ami trader. Une action qui s'est introduite en bourse très récemment. Une action qui est dans un trend haussier léger. Et ici, en fait, cet ami me disait, c'est un dossier qui m'intéresse et j'en ai acheté en prévision d'une GLB. Une GLB, c'est la fameuse stratégie du Green Line Breakout. Green Line Breakout, ça va être de casser les plus hauts du jour de l'introduction, pas forcément le cours d'introduction exactement, et les plus hauts historiques. Or, on voit qu'à 17 $, on a les plus hauts du jour de l'intro, et à 17,90, on a les plus hauts historiques. Donc, on ne se presse pas, on se met des alertes, et si la valeur vient attaquer son cours d'intro, puis casse son intro, puis casse ses plus hauts historiques, ce sera l'occasion de pouvoir rentrer dessus et de mettre à profit la stratégie du Green Line Breakout. Enfin, Vivorion, une valeur qui cote à Amsterdam. Ça, c'était juste histoire de vous montrer ce que c'est que du trend following et à quel point parfois les indices, on s'en fiche un petit peu quand on fait du trend following. Vous avez ici une action qui est dans une dynamique haussière extrêmement forte. Alors, je me demande si on est. Non, on n'est pas sur un Green Line Breakout. Elle est plutôt en recovery que en Green Line Breakout pour l'instant, puisque les plus hauts ils sont à 25 $. Et donc voilà, ici c'était juste un exemple d'une valeur qui consolide, qui revient sur une zone horizontale de support. Ici on a pris appui sur la MM 20 jours, ça relance à la hausse avec des petits volumes. C'est l'occasion de tenter de faire du trend following sur ce genre de valeur. On peut aussi voir ici une zone de range. On peut éventuellement attendre la sortie de la zone de range pour jouer la hausse. Ça, c'est le genre de titre, si vous voulez, que dont personne ne parle. Voilà, c'est du trend following pur et dur, tendance haussière. On se laisse porter, on essaye d'acheter les replis ou les cassures. On se fiche des indices et c'est pas des valeurs comme Novacyt ou comme Solution 30 dont tout le monde parle dans les forums. C'est le genre de valeur dont les gens ne parlent pas mais profitent. Ça me fait penser à une autre valeur à Amsterdam, Fastned. Voilà, ça c'est le truc, personne n'en parle. Pourtant, il y a quand même 80 000 titres échangés à 60 euros par jour, donc quand même des beaux montants. Et vous pouvez voir, voilà, que c'est petit à petit, des plus bas de plus en plus haut. Une dynamique haussière, une MM 20 jours. C'est pas de la sorcellerie, hein, c'est juste de détecter une action qui, à un moment donné, sort de sa zone de confort avec des volumes historiques. À chaque hausse, un volume historique. Et donc voilà. C'est le genre de valeur que l'on recherche typiquement quand on fait du trend following. En parlant de trend following, dis donc, eh ben, qu'est-ce qui se passe ici? Je m'amuse tout seul en faisant ma vidéo. C'est Esker. C'est Esker où on remettra une médaille d'or à Pixel Market, un tweetos
émérite sur ce dossier, qui la suit depuis 2 ans, je crois, et qui a toujours été à l'achat dessus, donc bravo. C'est une action où je vous ai souvent dit qu'il fallait des stops larges pour éviter les mèches, notamment ici, en décembre, à 150, quand elle a fait une mèche. Alors, il y a des gens qui ont été sortis par la mèche ici à 150 et qui m'ont dit, je ne suis jamais re-rentré parce que j'ai jamais eu de signaux. Alors, souvenez-vous, hein, en trend following, chaque cassure d'un nouveau plus haut annuel et historique est un signal. Donc, en fait, des signaux d'achat sur la valeur, vous en avez eu 20 depuis 2 mois. À chaque fois que Esker a cassé son plus haut historique, c'était un moyen d'acheter avec un stop à 10% et de tenter de prendre le train en route. Alors bien évidemment, là je vous en parle, elle a un gap sous les pieds, elle est en extension haussière, le RSI est à 88, il y a une petite divergence RSI, elle a eu des bonnes nouvelles ces derniers temps, donc à tous les coups, je vous dis qu'elle est superbe et elle va nous faire une mèche dont elle seule a le secret. Mais du coup, si on sait qu'elle fait des mèches, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas des ordres d'achat éventuellement sur repli? On a ici une zone de repli à 210 avec une moyenne mobile à 20 séances qui arrive en soutien. Donc un ordre épuisette, c'est-à-dire un ordre d'achat 15% sous les prix, pourrait être l'occasion de profiter d'une éventuelle mèche. Donc certains mettront un achat à 214, d'autres à 216, d'autres sur le gap à 220. Ainsi, si la valeur fait une mèche comme elle a eu le plaisir de le faire par le passé, eh bien, ce sera peut-être l'occasion pour ceux qui veulent rentrer de rentrer dans ce beau dossier. Vous remarquerez qu'on dit qu'Esker est cher depuis 1 an. Il y a 1 an, Esker était à 100 euros. Aujourd'hui, elle est à 232 euros. Certains disent que c'est une désynchronisation entre les fondamentaux et le flux haussier. Mais en fait, non. C'est ne pas comprendre qu'Esker a transformé son business et qu'elle est en train de passer d'une petite à une grande. Et c'est donc une transformation de la société, une transformation de son chiffre d'affaires, de sa rentabilité, etc. Et donc, ça change la qualité du dossier et ça fait et ça justifie en partie qu'elle soit désormais beaucoup plus chère. Et puis, je vous rappelle que ce qui est rare est cher. Autre valeur trend following, Gossin. Donc Gossin, on avait vu une première zone d'appui ici à 9,50 €. Et puis j'avais aussi laissé entendre que si les indices chutaient, on pourrait peut-être avoir une zone de repli à 8,80 €. Je ne désespère pas hein, d'ailleurs d'avoir ce repli soit vers 9,50 € soit vers 9 euros parce que je ne suis pas forcément à l'aise sur les indices boursiers. Mon discours en fait va être un petit peu le même que mardi dernier. Mardi dernier, sur Navia, sur Gossin, sur Blockchain Group et d'autres, je vous ai dit, j'ai l'impression qu'on peut retourner travailler les plus bas, ce qui s'est passé quelques jours plus tard. Certaines sont en train de rebondir, mais pas encore très nettement. Elles peuvent donc revenir de nouveau sur les supports, voire en dessous si l'indice consolidait de nouveau. Donc si vous avez acheté sur les 9,50, vous pouvez avoir un stop serré ou un stop sur votre prix de revient, comme ça si on retombe, vous sortez, puis vous attendez de voir. Sur d'autres titres qui ressemblent, on va en parler après, on va en parler après. Donc IP Group, donc là c'était, ça c'est un peu comme Fastned, un petit peu comme Vivorion. C'est des valeurs qui sont passées de haussière à fortement haussière et qui sont en trend following. Et alors ici sur IP Group, on a été inscrire des nouveaux records historiques. Donc on est un petit peu ici dans une stratégie GLB où on a un titre qui essaye de dépasser sa zone d'intro et son plus haut historique. Dans tous les cas, pour l'instant, ça en prend le chemin. C'est parfois erratique, mais vous noterez que la MM20 ici est extrêmement bien réactive. Chaque fois qu'on fait un trou d'air sous MM20, il est acheté. Certains profiteront des trous d'air sous la MM20, d'autres attendront qu'on fasse le trou sous MM20 puis qu'on la reprenne pour pouvoir rentrer à l'achat. Et à chaque fois qu'on a une zone de soutien, c'est un achat éventuel que l'on peut réaliser pour profiter de la hausse tant qu'on est en tendance haussière. Karl Rae, c'est exactement la même chose que les autres. Alors ici, c'est un magnifique exemple de Green Line Breakout, puisque donc la valeur. Ici, j'ai des anciens plus hauts historiques à 22 euros. On est resté pendant 2 ans sous cette zone de prix. Et en décembre 2020, on est enfin passé en force.
Et vous voyez que ça ne rigole pas, un GLB, on est passé de 22 à 52 en quelques semaines. Donc c'est vraiment la Green Line Breakout stratégie, c'est on a une valeur qui cote depuis quelques mois, quelques années, et à un moment donné, il y a un contrat, une news, un partenaire, des rumeurs d'OPA ou autres, et on a des volumes, et on a des cassures haussières, et des cassures haussières, et des cassures haussières, et des plus bas de plus en plus haut. Et certains, donc, dans les consolidations, tenteront de se placer sur ce genre de titre. OSE Immuno, biotech française, dont je vous ai parlé dans l'émission du mardi 5 janvier 2021 en vous disant de faire attention à la cassure des 7,80 €. J'en ai reparlé une semaine plus tard dans l'émission du mardi 12 janvier dans laquelle je vous avais mis cette petite flèche orange. J'ai rien touché à mon graphique hein, depuis l'émission de janvier où on en a parlé, où je vous explique qu'on va très certainement avoir un pullback, un repli. Donc il n'a pas été jusqu'au support des 7,80, on s'est arrêté à 8,15 €. Et puis là, on a un redémarrage haussier. Donc là, on est dans une dynamique haussière, au-dessus des mêmes 200, tendance haussière long terme, tendance haussière moyen terme, tendance haussière court terme, on achète les replis et on essaye de se porter le plus longtemps possible et de viser, on va regarder les prix historiques, bah de viser le cours d'introduction en fait, de viser ici la zone des 10,60 € qui a déjà été atteinte en novembre. Mais qui, si elle était dépassée, ouvrirait le champ au plus haut historique, qui sont ici à 12,60 €, soit encore 20-30% de potentiel. Donc pour ça, je pense qu'il faudra de la news. Mais vous voyez qu'on a ici donc une valeur en trend following qui est sortie d'une longue zone de latéralisation, qui est haussière, qui est soutenue en plus par des beaux volumes. Donc ici, bah, on sourit, et puis on laisse les stops sous les supports. Et on espère viser les plus hauts annuels, enfin les plus hauts de 2020, puis les plus hauts historiques. The Blockchain Group. The Blockchain Group, c'est l'exemple de la théorie du jeu de la patience. Tout à l'heure, je vous ai dit, sur Total, il m'est déjà arrivé d'attendre 6 mois pour avoir un point d'achat. Bon. Sur Blockchain Group, la petite histoire, c'est que j'avais bien vu la sortie de ici, enfin comment dire, la découverte des opérateurs de ce dossier, des volumes historiques, une hausse historique, puis une stabilisation à plat. Du coup, on avait beaucoup parlé de Blockchain Group dans cette zone de latéralisation-là, et je vous avais même dit en novembre que bah, elle faisait partie de ma shortlist, c'est-à-dire mes actions préférées pour 2021. Et donc, on avait parlé d'achat sur cassure à 1,05 € et à 1,12 € sur les anciens plus hauts de août 2020. Ensuite, la valeur s'est envolée, puis elle a atteint les 2 euros que je m'étais fixé comme premier objectif en 2021. Donc, j'étais resté à l'écart par la suite. Elle est repartie sans moi, en quelque sorte, n'étant plus haussier, je la regardais plus. Elle est repartie à pleine vitesse vers les 2,50 €. Et à ce moment-là, je trouvais qu'elle était allée un peu haut, un peu vite. Je n'aimais pas du tout ce chandelier ici avec une longue mèche haute et une clôture dans le rouge. Enfin, une clôture positive mais inférieure au cours d'ouverture. C'est que les vendeurs prenaient la main, c'est que les vendeurs étaient dans cette zone-là. Pour eux, il y avait moyen de matérialiser des gains ici. Donc quand la valeur est redescendue ici sur MM20 à 2 euros, j'ai dit, je pense que MM20 va casser et qu'on va revenir vers le gap situé à 1,75 €. Bien évidemment, elle a touché MM20, elle a commencé à repartir à 2,20 €. Du coup, tous ceux qui étaient à l'achat dedans me disaient « Ouais, Nico, tu vas la rater, on repart à 3 euros sans toi. » Et là, j'ai essayé d'expliquer, pour la 10 000e fois, que j'étais déjà haussier depuis 80 centimes sur ce dossier-là. Et donc, bah, voilà, je ratais pas de train. Vous connaissez beaucoup d'analystes en France, vous qui suivez Blockchain Group et qui étaient haussiers dessus? Moi, j'en connais aucun. Ou presque. Du coup, je cherchais non pas à ce que la valeur baisse et à ce que ceux qui étaient à l'achat en pâtissent, bien évidemment. Mon but, c'était de trouver un point d'entrée sur ce titre que j'adore pour 2021. Donc j'ai gentiment dit que j'espérais, que j'attendais que la MM20 casse, puis qu'on revienne sur le gap à 1,75 €. Et quand on s'est rapproché de ce gap à 1,75 €, je vous ai dit, pour moi, la super zone, c'est 1,55, 1,60. On a fait 1,58 au plus bas,
On a stabilisé sur un 70 pendant plusieurs séances. Voilà, je considère que je vous ai donné une alerte à 2,20 € comme quoi on pouvait revenir vers un 70. Bien évidemment, personne n'était content. Néanmoins, comme j'ai pu le constater hier après mon message sur Blockchain Group, vous avez l'air d'être un gros paquet à être rentré à l'achat sur un 70, un 75. Vous gagnez donc 20% au cours actuel. Vous êtes donc dans le train à moyen long terme. Et donc tout le monde peut sourire. Vous pouvez aussi sourire si vous avez du Wallix, parce que Wallix était une des valeurs de ma shortlist 2021, et l'objectif était à 30 €, il a été atteint ce matin. Donc magnifique Wallix, hein, dont on a parlé à 16, 16,50, 17,50 lorsqu'elle cassait ici une zone clé. Donc là, c'est une valeur qui était dans un range pendant 2 ans et qui à un moment en sort avec des volumes. Donc ça, c'est un signal. Et la suite? Elle est magnifique. On est allé à 30. Si vous avez pris des gains, c'est bien. Si vous voulez garder pour viser plus haut, faites donc. Pour ma part, le job is done sur ce dossier-là. Je vous avais donné Blockchain Group en novembre. Elle a fait un beau parcours. Elle pourrait encore faire de belles choses. Je vous avais donné Virgin. Elle a fait un beau parcours. Elle pourrait encore faire de belles choses. Je vous ai donné Wallix. Je vous avais donné NeoEN aussi. NeoEN qui a explosé en ce début d'année. Et je suis passé baissier à 68 € ici sur cassure de l'oblique. Heureusement, on a perdu 15% depuis. Et j'espère toujours qu'elle pourrait revenir ici vers 50 €, là dans mon cercle. Donc je ne suis pas pressé. Et même chose, jeu de la patience. Si elle remonte sans moi, c'est pas grave. Moi, je l'attends ici parce que je veux un super prix. Voilà. Et Whitby. La voici, donc Whitby était une valeur trend following, superbe. Et elle avait atteint un objectif majeur puisqu'elle avait atteint son plus haut historique. Donc en gros, Whitby, c'était une recovery. Une recovery, c'est une valeur qui a baissé pendant des années, puis il y a un regain d'intérêt, un changement de statut, un changement de compréhension des opérateurs du dossier, et on part fortement à la hausse vers le cours d'intro, voire les plus hauts historiques. Donc on est allé très vite de 2 € à 12 €. Et il n'est pas illégitime que sous les 12 € les anciens plus hauts historiques, on ait eu des prises de bénéfices et que ça a commencé à plier. Ce qui est pratique, c'est qu'elle nous a quand même donné des signaux. Et quand j'ai fait un petit sondage, enfin que j'ai posé la question sur Twitter, nombreux étaient sortis à la cassure. On était dans une dynamique haussière avec des plus bas de plus en plus hauts. On a atteint les plus hauts historiques et on a bloqué dessous, puis on a commencé à partir à la baisse. Là, vous avez un volume baissier plus cassure des mêmes 20. Le lendemain, un beau chandelier baissier en séance et avec une remontée en fin de séance. Mais ça faisait sortir les court-termistes, les trend followers, beaucoup sont sortis. Et ensuite, on revient sur support de moyen terme. Support de moyen terme qui est compris entre 6,50 € et 7 €. Qui a été réactif lorsque la valeur a publié des résultats inférieurs aux attentes. Et la zone d'achat, elle est ici. Donc on a un rebond technique ces 3 derniers jours. Mais si je souhaitais acheter du Whitby dans le sens de la dynamique haussière de moyen long terme, j'aimerais bien en acheter à proximité du support et de MM200. Donc j'escompterais en fait que la valeur retombe vers les 7 € pour pouvoir en acheter. Pour ceux qui en ont acheté sur les 7 €, vous pouvez aussi faire le choix de les garder avec un stop large sous le support. Voilà. Et je finis par le CAC, qui n'est pas haussier mais neutre, et qui vient de passer de baissier court terme à neutre court terme, et qui se cherche. Et je pense qu'il ne faut pas céder à l'euphorie du jour. Je pense qu'on est neutre. Et je n'écarte pas le fait qu'on revienne chercher la zone de gap à 5 480, voire la zone de soutien à 5 400 points. Auquel cas, certains titres dont j'ai parlé reviendraient de nouveau vers des supports et des zones d'achat. Donc plutôt que de vous dire... J'ai été prudent la semaine dernière, j'ai pas acheté certains titres, mais j'ai l'impression que ça part sans moi, faut que je me dépêche d'acheter. Il serait peut-être plutôt temps de se dire, je suis content de ne pas avoir pâti de la baisse depuis 3 semaines, je suis pas forcément fortement acheteur, le marché est neutre, je vais me donner un petit peu de temps et je vais arrêter de courir dans un sens et dans l'autre. Et puis peut-être que plutôt que de me fier aux indices,
qui sont neutres en Europe depuis 2 mois, je vais plutôt faire du trend following et aller sur des actions qui se fichent des indices et qui continuent de monter quoi qu'il arrive. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Je vous retrouve sur le site de Zone Bourse, sur Twitter, sur BFM. Et bah voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et on se retrouve mardi prochain pour les marchés en action. Au revoir à tous.